Salut gamer gamer, c'est GDG King pour une nouvelle vidéo sur Naruto The Broken Bond. Alors bien sûr, avant je ne sais pas, j'ai pas encore posté la vidéo, je la posterai un peu plus tard. Pour l'instant j'essaie de faire le jeu correctement et puis voilà, j'éviterai de parler pendant les cinématiques, tout simplement pour éviter de vous parler. Donc là cette fois-ci j'ai mis le chronomètre, donc je saurai combien de temps que ça fait, ça sera largement mieux. Voilà, donc simplement et ben c'est parti. Allez, on commence triste hein, bien sûr. Voilà. Je sais plus où est-ce qu'il faut aller. Alors le jeu je l'avais déjà fait avant. Hein, mais bien sûr ça date un peu, donc voilà. Naruto. Voilà, maintenant on retrouve Sasuke. Sakura c'était là et Sasuke il est là-bas. Oui, c'est pas Sasuke mais Sasuke hein. En japonais bien sûr pour ceux qui savent pas. Hein, voilà. Sasuke. Je trouvais badass avant, vous voyez. Mais depuis un petit moment là, ça a largement changé. C'est voilà. Bah, donc là, comme vous avez vu avant, bon là, le troisième Hokage est mort. Du coup, on y va quoi. Hein. Bah choix. Voilà, c'est parti. Vous voyez les bobines là-bas. Il y a trois bobines. Non, il y en a quatre si. Ouais. Bon, on la voit pas trop bien en haut là, mais il y en a une quatrième. Voilà. Voilà, c'est celui de Hiruzen. Voilà. Là, on va voir Kakashi. Kakashi, je trouve assez badass aussi, quand même. Hey, Naruto. Kakashi sensei, c'était inévitable. Il devait vraiment mourir. C'est la première fois que tu perds un camarade au combat, n'est-ce pas? Ce n'est jamais simple. Il était notre chef. S'il s'est sacrifié pour nous, c'est parce que nous étions chers à son cœur. C'est son amour pour nous qui lui insufflait sa force. De plus, il ne fut pas le seul à tomber. De nombreux ninjas ont donné leur vie pour notre village, car il leur était tout aussi précieux. Je comprends. Enfin, je crois. Je suis sûr que tu comprends, Naruto. Lorsque vous avez vaincu Gaara, tous les trois, le fait d'être ensemble ne vous a-t-il pas rendu plus fort? Si. Quand Sasuke m'a dit de sauver Sakura, j'ai su qu'il fallait que je le fasse. Même si je devais y rester. Tu as tout compris. Gaara était un adversaire très puissant. Je suis fier de vous. D'ailleurs, j'ai jamais compris. Pourquoi les ninjas de Suna nous ont attaqués? Orochimaru les a manipulés. Il est à l'origine de bien des maux récemment. Et ouais, ils ont été manipulés malheureusement. Même dans les jeux. C'est une des règles des ninjas. Rester impassible et se focaliser sur sa mission. Qu'importe ses blessures, un ninja ne doit jamais verser la moindre larme. Sasuke, je voulais te remercier de m'avoir sauvé. Tu te souviens, contre les ninjas de Suna, je me suis évanouie et tu m'as sauvé, Sasuke. C'est Naruto qui t'a sauvé, pas moi. Naruto? Toi et ta modestie. Naruto est devenu plus fort, c'est vrai, mais il ne sera jamais aussi fort que toi. Ça n'a rien de modeste. Tu aurais dû le voir. Il s'est surpassé pour toi. Jamais je ne l'avais vu faire preuve d'une telle puissance auparavant. Hé, hey, salut! Bien, vous êtes tous là. Vous allez pouvoir vous y mettre. J'ai une mission de reconnaissance à vous confier. Des inconnus se sont installés aux abords du village. Il s'agit peut-être d'ennemis. Espionnez-les et informez-nous sur leur identité, leur position et leur nombre. Compris. Bien. En route. Alors, comme vous avez vu, Kakashi, celui qui nous a donné la quête, là, il y avait le livre les techniques du pafitolage, ou je sais plus trop quoi, et c'était pas le vrai dessin. Vous pourrez aller voir, vous pouvez faire une pause, vous allez voir, c'était pas vraiment le vrai dessin. Voilà, donc ça c'est la quête pour commencer cette mission, traverser la forêt. Ok, ça marche. Voilà, c'est parti, on traverse la forêt alors. C'est là-bas.
Ah, ça. Allez, on va faire au plus vite. Vous êtes prêts? Allez, hop, c'est parti. Au plus vite, hein. Sans se prendre de mauvais trucs. Je sais pas combien de temps que j'ai fait, on va voir ça. Ah, on n'a pas encore vu. Oh. Ah, des bandits. Vous savez quoi faire d'elle? Trouvez l'autre gamin. À nous deux maintenant, vermine de Konoha. Quand tu veux. Là, c'est un VS, voilà. Hein. Combo de base. Ok, c'est parti. Ok, je ne peux pas encore. Oh, il a fait mal celui-là. Non, je peux pas vraiment, pas encore en fait. C'est vraiment bête. Voilà. Bien sûr, plus ça va avancer, plus on aura de... Plus on aura de technique et plus ça sera intéressant les combats en fait. Hein, globalement c'est ça. Hein. Oh mince, il m'en a envie. Bon là normalement c'est Sasuke. Il est largement plus puissant Sasuke, donc ça va être largement mieux. Konoha doit vraiment être au fond du gouffre pour envoyer ses gosses en missile. Regardez celui-là, ça doit être le pire des trois. Timing parfait. Leurs troupes ont été anéanties et leur chef est mort. Frappons leur village au plus vite. On se débarrasse d'eux, on s'empare de leur foyer, et s'en sera fini. Tu m'écoutes quand je te parle ? Excusez-moi, avant j'ai... à deux reprises, je me suis gouré, j'ai appuyé trop tôt, donc veuillez m'excuser, j'ai pas fait exprès. Bon, je vais piéger les arbres alentour au cas où ils aient envoyé quelqu'un d'autre. Qui sont ces types ? Il faut que je file d'ici, moi. Attendez. Inventaire rapide pour prendre une bulle de santé. Donc attendez, je connais pas tout à fait les touches. Pourquoi je peux pas? C'est quoi ce Beans? Ah d'accord. Ok. C'est sûrement la manette en fait qui ne fonctionne. Qui fonctionne très mal. Attendez, je vais changer la manette. Attendez, hein. Éteindre la manette. Oui, parce que j'ai l'impression hein, que c'est la manette qui fonctionne pas très bien, qui a une touche qui ne fonctionne pas. Alors du coup on va changer ça. On va changer la manette. Mon frère il m'a passé les deux. Mon frère il a pensé à me passer les deux. Voilà, donc normalement là c'est ça, c'est bon. Vous voyez, c'était bien la manette. Voilà, maintenant comment on fait pour monter? Ah, c'est celle-là. Voilà. Oh, la manette est un peu moins facile. Sasuke. Sharingan. Naruto, enfin. Tu en as mis du temps. Et Sakura, elle est pas avec toi? Mais ça veut dire qu'elle est avec eux. Il faut la retrouver. Ça va, oui. Sasuke, dès que je t'ai vu, j'ai su que tu me sauverais. Nous devons retourner au village. Allez, en route. On retourne au village. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Double saut, on retourne au village, ça ira plus vite. Hein. Par contre, je sais plus comment on fait pour... échanger ça. Masse. J'ai... Monsieur... Donc là, vous voyez, il faut éviter d'être dans le jaune ou dans le rouge. C'est là qu'on va tomber, en fait. Vous voyez? Je préfère faire ça, c'est mieux. C'est plus... Voilà. Hein, les sous, c'est très important aussi. Faut pas oublier. Voilà. Ah, punaise, encore. Alors, je t'avais bien dit que je les trouverais. Vous pensiez que nous vous laisserions filer? Ah, Jeff, c'est vraiment utile. Encore une fois. Des mômes. Oublierais-tu nos enfants?
Konoha ne les a pas traités comme des mômes lors des guerres ninja. Leur rage importait peu alors que... Nous brûlerons leur satané village comme ils ont brûlé le nôtre. Vous ne brûlerez rien du tout, tant que mes amis et moi serons encore debout. Mais ils sont de quel village? Bah ils ont le bandeau mais y a pas la... Sasuke! Sasuke! Rejoignez-moi quand vous en aurez terminé. Sakura, emmène Sasuke loin d'ici. Je me charge de ces types. Y a pas le dessin sur le bandeau? Bah c'est bizarre. C'est de quel village? Tiens toi, nique ta mère. C'est bon, allez hop, c'est parti. Boum. Il veut pas, mais chut, calme-toi, toi. Voilà, c'est bon, je l'ai vu. Allez hop, le Naruto folie. Voilà, un de fait. C'est pas ça que je veux faire. J'ai pas encore, ok. Alors la musique, comme vous écoutez bien, elle est vraiment énergique. Personnellement, je l'ai téléchargé, hein. Je l'écoute tout le temps, je veux dire. Hein. Voilà, j'essaie de pas faire les mêmes techniques à chaque fois. Hein, pour que vous ayez un peu de... Voilà, de nouveauté. Retournons au village et préviens tout le monde de l'invasion. Ok, ça marche. Oh, calme-toi. Calme-toi, Naruto. Naruto, le Zabaki. Et vite, ils ont recouvert le pont de parchemin explosif. Eh ben, on va courir alors. Oh, ça, c'est... Là, je me suis fait avoir. J'ai pas été assez vite, hein, comme vous voyez. Réessayez. J'ai pas été assez vite. Ah, je me suis détruit un peu. Voilà, j'ai réussi. J'avais pas été assez vite, c'est ça en fait. Faut partir tout de suite, sinon c'est pas la peine. Voilà. C'est par là, je crois. Ouais. Cette fois, c'est à moi que tu vas te frotter. Bah, je vais me frotter à toi. Par contre, c'est quoi? Je veux savoir c'est quoi comme... Par contre, voilà, vite. Voilà, faut que je me régène. J'essaie de varier un peu. Voilà, je l'ai eu. Et bon, il est mort. Chez Ninja Regena. On voit pas d'où que ça. Peu importe. Si ce n'est Konoha, c'est vous qui tomberez aujourd'hui. Et Kakashi qui va arriver. Et voilà. C'est tellement prévisible. Si tu cherches à te venger, tu devrais t'en prendre à quelqu'un d'assez âgé pour avoir connu la guerre. Moi, par exemple. Nul n'a été épargné par ce conflit. Et faire couler plus de sang ne ressuscitera personne. C'est là toute la duperie de la vengeance. L'obtenir ne te rend pas ce que tu as perdu. Félicitations à tous les trois. Sakura, ramenons vite Sasuke à l'infirmerie. Bah, et moi alors? Tu t'entraîneras avec Jiraiya désormais. Quoi? L'ermite pervers? Alors vous comprendrez? Vous pourrez comprendre dans le premier, quand vous verrez le premier là, normalement, si je me trompe pas, vous verrez. Hein, voilà. Alors, on va maintenir ça, on va voir ça un peu. Ok. J'en ai que 100. Dans le chakra, dans la santé, dans le jutsu, je sais pas du tout. On va mettre ça dans la santé pour l'instant. Voilà. Hein.
Après, on avancera pour le chakra. Après, le jutsu. Ou alors, jutsu et le chakra. Ouais, non, le jutsu et le chakra. Et après, dans la forge, je pense. Hein, voilà. On va faire ça correctement. Je sais pas ce que vous en pensez, mais correctement, c'est le mieux. Hein. Voilà, tout simplement. Ok, et là, il n'y en a aucun. Ok, et ben on verra ça. Il va peut-être nous en prendre. Allez, Jiraya. Eh, ça craint ! Konoha est en danger et tout ce que vous trouvez à faire, c'est des recherches pour votre livre d'obsédés. Ceci n'a rien d'une énième expédition de recherche. Mais je m'en fiche ! J'ai pas le temps, ermite pervers ! Il faut que je m'entraîne, moi ! T'entraîner à quoi, au juste ? Kakashi-sensei passe tout son temps avec Sasuke. Il est temps qu'il m'enseigne un nouveau jutsu ! Un peu comme ce truc-là, qui rend les yeux de Sasuke tout rouge. Le Sharingan. Navré de te décevoir, gamin, mais tu ne pourras jamais l'apprendre. Le Sharingan est une technique de famille. Seuls les membres du clan Uchiwa peuvent l'apprendre. Oh là là, le membre Uchiha, normalement, c'est... En japonais, c'est Uchiha, normalement. Ou Uchiha, Uchiwa. Aussi, mais c'est plus Uchiha, normalement. Vous regardez l'anime, donc ça fait mal aux yeux quand même, hein, ceux qui connaissent. C'est pas juste! Injuste ou non, c'est comme ça. Mais si ce sont de nouveaux jutsu que tu veux, j'ai peut-être quelque chose. Une technique de rang A. Une technique de rang A? Cool! C'est quoi? Plus tard, tu m'aides dans mes recherches et je te l'enseigne. Ça marche! Alors, excellent. En route pour Tanzaku dans ce cas. Pars en éclaireur et assure-toi que la voie est libre. Le gros bâtard, tu vois. Par en éclairant, oh, si je vois, il est bon. Voilà, tu te fais buter, je m'en fous. Tu te fais pas buter, je m'en fous pas. Voilà, en gros, ça veut dire ça. Ensuite, le rang A, c'est le rang qui est en dessous du rang S. Et le rang S, c'est le rang le plus fort, on va dire. Donc, le rang A, c'est vraiment. Là, c'est vraiment une technique vraiment très très puissante. Regardez. J'adore. Voilà, bonjour monsieur. Au revoir monsieur. On va essayer de... Ça fait combien de temps? 17 minutes. On va faire... D'accord, ok. Tu te calmes. On va faire encore un peu et puis après... Voilà, on va voir ce que ça donne. Ah, regarde. Je n'aurais pu trouver meilleur endroit pour mes recherches. Qu'en penses-tu, Nabo? Quoi? Une pause? Ah non, pas question qu'on s'arrête. Écoute, gamin, il faut que je finisse ce chapitre, tu comprends? Trouve autre chose à faire. Ah, j'aurais dû m'en douter. À chaque fois qu'il voit une fille, il veut s'arrêter. Dire qu'il ne m'a même pas encore appris ce nouveau jutsu. Eh ben, pour l'instant, on va faire une quête, et puis si je tombe à 25 minutes, eh ben, on verra ça, tout ça tout à l'heure. Allez, on va faire une petite quête, là, regardez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. C'est juste que ces fichus bandits ont pris mon bateau. Des bandits? Quels bandits? Une bande qui sévit dans les environs. Si on ne paie pas, ils nous volent. Et cette fois, mon bateau. Il est de l'autre côté du lac, maintenant. Okay. Mais pourquoi vous les laissez faire? Disons qu'avant, les ninjas de Konoha les faisaient déguerpir, mais ils ont d'autres chats à fouetter maintenant. Que vous dites? Moi, je suis un ninja de Konoha et je vais vous débarrasser de ces crapules. Laisse, gamin. C'est trop dangereux. Non, pas question. Je ne laisserai pas des gens sans défense se faire maltraiter. Je vais chercher votre bateau. Ça, c'est un vrai ninja, je vous jure. Pas trop, hein. Faut que ça reste au milieu à chaque fois, sinon ça ira, sinon vous allez couler. Bonjour. Comment allez-vous? Ok. J'arrive pas. Si, c'est bon. C'est bon. J'ai réussi. Oh, vous voyez, j'ai plus de vie. Donc le voleur, il va pas faire l'enfeu. Voilà, tiens, dans ta gueule, toi. Un, deux... Non, c'est pas ça. C'est ça. Un... C'est ça.
C'est pas ça non plus. Je crois que c'est ça. Non, c'est pas ça non plus. Bon, c'est pas grave. Voici l'une de mes spécialités. Ouh. Allez, au suivant. Next. Hey, va te calmer, mon gars. Hein. Boum. Eh oui, c'est vrai qu'en plus, il n'y a pas de permutation. Donc c'est ça le plus con. Hein. Faut pas oublier. J'essaie de faire à chaque fois différents trucs, mais c'est dur. Hein. Voilà, on va essayer de prendre des sous quand même. Hein. Ça fera que des sous en plus. On va le casser, ça. Ça vous fera que des pièces en plus aussi. Ouais. Ah, la poisse! Ces bandits l'ont abîmé. Je ferais mieux d'aller prévenir le pêcheur. On va prévenir le pêcheur et après on arrête la vidéo. Et moi je continuerai. Ça au moins ça fera. Et puis vous aurez la suite plus tard. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà. Tu l'as retrouvé? En quelque sorte. Mais les bandits ont fait un gros trou dans la coque. Ah, ça ne m'étonne pas d'eux. Quoi qu'il en soit, merci, petit. Tu as fait de ton mieux. Hé ! J'ai dit que je ramènerais votre bateau et je tiens toujours mes promesses. Écoute, c'est très gentil, mais si je commence à leur reprendre ce qu'ils m'ont volé, je vais avoir des ennuis. Vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Et ils ne vous harcèleront plus jamais. Pour le bateau, j'avais bien quelques planches pour le bordage. Mais ils les ont prises aussi. Ils ont certainement dû les jeter au hasard des bois. Aucun problème. Je m'en occupe. Alors, je sais pas si on le fait maintenant ou pas. On va essayer de le faire maintenant. Allez, hop. Donc là, normalement, il doit y en avoir un pas loin. Ici. De 1. On a un autre ? Ah bah il est où l'autre alors? Ils disent qu'il y en a un mais où? Ah! Donc là maintenant il faut retrouver... Non c'est Jiraya que j'ai vu là. Ah! Faut donc faire le tour. Ouh! Je déteste ça, je vous jure. Miser ça encore une fois. Un. Ce levier doit permettre d'acter. Deux. Je préfère. Hein, vous savez. Voilà, voilà. Alors, on va s'approcher petit à petit. Où est-ce qu'il est, ce morceau de bois? Ah, là, on s'éloigne. Là, on s'approche. J'arrête. Ah, c'est pas ça là-bas là. Eh, je vous jure, c'est tellement dur là. Je trouve pas. Bah, il est passé où? Ah, mais faut continuer par là, je pense. Bah oui. Regardez donc. Allez, on va réparer le bateau maintenant. Allez, let's go. Et là, oui, après, là, voilà, ça sera tout. Ça sera tout pour aujourd'hui. Voilà. Voilà, voilà. Tu
Tu as réussi! Merci pour ton aide, mon garçon. Même si j'ignore encore comment tu as pu te débarrasser de ces bandits. Je vous l'avais dit! Je suis un ninja! Ils n'avaient pas la moindre chance. Le voilà. Nous devrions partir sans tarder. Ouais, débarrassons-nous de ces bandits une bonne fois pour toutes! Je me demande ce que donnera ce petit gars. Voilà, OGC est terminé! Allez, on m'en pose. Donc voilà, on finit là pour cette fois. Allez, bon bah tout simplement là c'était JD Gulking pour une petite vidéo sur Naruto The Broken Bond. Donc on va finir ce jeu tranquillement. Moi j'essaie de le finir aujourd'hui si je peux tranquillement. Un pépère, moi ça me fait avoir un peu, voilà, un peu de temps pour moi. Voilà, je sais pas trop quoi faire. Sachant que j'ai internet qui pour les poster c'est très dur, donc on verra par la suite. Voilà, donc c'était JD Gulking pour une petite vidéo sur Naruto The Broken Bond. Allez, à une prochaine. Allez, ciao tout le monde.